Épisode de notre Let's Play sur 102 Dalmatiens. Aujourd'hui, on va faire les 50%. On va faire le niveau La Fiorie et pas La Fiorie qui est le pays. Ce serait un petit peu trash de faire de jouer aux Dalmatiens dans ce pays. Et on va faire les 50%. Voilà. Donc, on va aller à l'album des vignettes. Pour pas vous cacher, je retourne comme chacun des épisodes 20 fois cet épisode. Bon, j'ai fini une fois cet épisode. Bon, voilà. Et 3, 2, 1, on va voir la vignette, on va voir la vignette. Elle est magnifique. On voit le roller coaster, on voit le le wagon, on voit le dalmatien, on voit Jasper tomber dans l'eau, on voit la banderole, on voit le chapiteau, on voit Henri la tortue. Et regardez bien, supposition de ma part, bon, parce que si j'ai fait le truc, Reine Jasper et puis Calivi, il y avait l'écureuil. Puis au magasin de jouets, il y avait... Donc regardez, c'est un au-dessus de l'autre et il y avait le même personnage. Puis dans le magasin de jouets, il y avait le chat, le sergent chat, et lui il nous dit qu'il connaissait plus ou moins la maison de Cruella et tout ça. Donc peut-être qu'on le verra après, certainement. Et Big Ben, on avait mis la chauve-souris qui sert à rien. Voilà, clairement. Musée Royal, on a le chien avec une drôle de crinière de Cruella d'enfer. Il pourrait peut-être servir pour plus tard, qui sait, on sait jamais. Puis après, on avait le métro, le rat, et regardez, en bas, il y a la Fiorie. Peut-être qu'on aura le rat. Puis après, on a Henri, et de toute façon, Henri, il n'y a rien d'autre que lui, et il était juste avec la fête foraine, donc il ne se déplacera pas. Donc tous les deux niveaux, en gros, du monde, si je peux dire comme ça. D'ailleurs, là, c'était le monde de Londres, là, c'est le monde... je ne sais pas dire. Là, c'est déjà que c'est le monde campagne, et là, le monde... qui fait un petit peu peur. Mais voilà. Et là, certainement, on aura Norbert Laura, je pense. Bon, bref. Sur ce, on va directement attaquer la Fiorie, qui est un niveau que j'aime pas trop, parce qu'il est grand et vaste, et il n'y a pas beaucoup de trucs. En gros, il y a des grandes salles. Vous verrez. Vous verrez, je ne vous spoil rien. Hé, Norbert, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais juste savoir si tu étais sorti du micro sans problème. Cousin Robert habite sous le tas de coco. Bon, bah, merci, Norbert. Tu peux me dire autre chose sur cet endroit? Tu aimerais peut-être mettre en marche les machines que tu trouveras ici. Les vibrations devraient te permettre de te réveiller aux machines. D'accord, à tout à l'heure. Donc, ok, il nous dit que, voilà, vous voyez, ça, c'est les grandes salles. Il est parti par où? Vous voyez, c'est des grandes salles comme ça, lui. Bon. Ok, lui, je me ferai avoir à chaque fois, comme ça. Donc, l'intérêt de ce niveau, c'est juste que, ben, là, on a un bouton qui clignote. Et qu'on appuie dessus. Bon, on actionne des trucs, en gros. Waouh, au cours du bois, on va encore actionner jusqu'à ce qu'on puisse plus. Ben, s'il nous donne des os, on va avoir nos sortes faciles. Encore des os, d'accord. Hop, vignette. Donc on rappelle, il y a 6 vignettes. Une avec les 100 œufs. Une faite de niveau. Une si on libère les 6 chiots. Ok, hop. Une si on fait... si on bat un mont en le... Attendez. Merde, ma manette a fait déconner. Voilà. Et... Une si on fait une mission par exemple entre la noix ou une mission du personnage. Et une cachée, par exemple les pigeons. Bon moi je prends ça comme ça. Mais bon dans le 2 il y avait les bulles, qui était un petit peu un genre de mini-jeu. Il y avait quoi? Il y avait le trait. Enfin la cachette secrète, donc le truc secret. Et puis il y avait ouais, le mini-jeu. Donc ouais, je sais pas. Et là, je sens qu'on en a une à chaque fois qu'on fait le truc. Ok, là, il y en a une. Oh, waouh. J'aurais mieux fait de te laisser dedans. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce let's play vous plaît autant que moi. Voilà, je pense pas l'avoir fini avant la fin de l'été. En fait, je vais essayer de m'y mettre à fond sur ce let's play. Mais bon, comme vous savez, peut-être, j'ai un pêchage en physique. À ma période en tout, si vous voulez savoir,
J'avais 9, en tout de moyenne générale au feeling 9,75 après charge. Soit c'était un point de plus à la à une période, je passais. Mais bon, voilà, c'est à vous. Donc voilà, pour l'instant je me consacre plus à mon repêchage qu'à mes vidéos, mais bon voilà, c'est normal. Ok, il est... Oh, le bug. Vous voyez, c'est des grosses salles comme ça. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Ok, on a aussi le truc. Et là, on a deux monstres. Bon, bah certainement, ils vont faire des sorts. C'était prévisible. Bon, celui qui me dit, oh, je n'y pensais pas. Il ment, certainement. Wow, wow. Mais on va rester avec le schéma. Je sais pas si je referais ce let's play avec le chef même. Jamais. Ok, il y en a. Ce qui est bien, c'est qu'il... Ah, ah c'était un hamburger. Ok, ce qui est bien, c'est qu'il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'os comme ça. C'est le seul défaut du jeu, voilà, ils sont prêts. C'est faire ça pour les os. Moi, je trouve ça... pas trop bien. C'est le seul truc, ça ralentit le truc et... Voilà, moi j'aime pas. Mais bon, le jeu est super. La marque est mon enfance, il y a des niveaux comme la maison de Freyla qui m'ont marqué. Le musée par exemple ou la fête foraine. Celui au début, j'aime bien quand je filme et que pour la première fois parce que je découvre là la vignette, je la connais pas. Donc dans le niveau prochain, ben... Voilà. Il y aura des niveaux aussi où on fera les mini-jeux peut-être. Si vous êtes gentil, bien sûr. Ok, on va voir là. Ok. Vous voyez, c'est grand, c'est vaste, c'est... Ah. Mais bon, si les moyens techniques pouvaient faire ça, ils se sont pas cachés. Dites qu'on est un petit chiot et que les gens... En gros, un chiot, c'est petit, mais bon, vous imaginez les gens... Parce qu'on parle par exemple quand on voit un jasper, il est quoi? On fait un quart de jasper. Vous imaginez même 4 fois 1000 là-dedans, c'est petit. Oh, une 6 électrique, une 6. Et là on arrive, ah ça je m'en souviens avec ça. Et là, jing. Oh. On va rester jusqu'à avoir la vignette. Ok, on n'a pas fait. Allez, une vignette. Vignette, voilà. Donc, il nous restera plus qu'une vignette. Après les... Ok, là, on peut pas passer. Après le célèbre trouver les sorceaux, trouver tous les chiots. Et voilà, donc il nous restera plus qu'une vignette. Ouais, ce niveau il est plus ou moins court, ouais. Quand on le connaît bien, il est court. Je suis un super toutou. Super toutou, le nouveau super héros. Ah ouais, faut passer par là. Ça, je sais pas pourquoi il m'a marqué, mais... Il m'a... C'est les niveaux, d'ailleurs peut-être que je vous ferai une fois une vidéo, des niveaux qui m'ont marqué étant... Des passages de niveau qui m'ont marqué étant... des niveaux diaboliques, mais pourtant qui sont hyper simples. Moi, je me rappelle de ça, comme je tombais tout le temps, je me perdais. Bon, après, c'est mes souvenirs. Ok, il y en avait là. Ça, c'est grâce au super pouvoir de Super Toutou, de Super Flair. Et pas la Team Flair de Pokémon. J'ai fait ma blague de merde, je suis content. C'est vrai que les jeux Disney ont toujours été bien faits. Par exemple, le jeu Toy Story 2 qui est un de mes jeux préférés de la PS1. Un de mes jeux préférés du coup. Où j'ai adoré y jouer.
Voyez où les œufs ils sont passés. Ils sont là. Comment veux-tu que je passe là? C'est pas possible. Moi, attends, j'ai mis le cordage de bois. C'était bizarre. Ouais. Quel jeu était bien? Le jeu Tarzan sur PSE. Après le jeu Roi Lion sur PSE, j'y ai jamais joué, il paraît qu'il est un petit peu nul. Bah, le joueur du grenier l'a, entre guillemets, l'a massacré dans son test de grenier, dans son test de jeu vidéo. On va voir si ici on peut pas. Ah si, on peut par après aller là. Ok. On arrive déjà dans la dernière étape et là vous voyez la grue. Et là vous vous dites comme moi. Shadam. Bon, ici, je vous dis, on ira après. Là, j'ai essayé de faire ça. Mais c'est plus simple après. Aladdin, par exemple. Vous prenez Aladdin sur Mega Drive. Voilà, c'est comme ça. Aladdin sur Mega Drive, il m'a foutu mais une de ses claques. Vous pouvez pas vous en imaginer. Je sais pas, vous avez. Oh, une clé. Vous avez déjà joué à Aladdin sur Mega Drive, non? Bah, jouez-y. J'ai eu la Mega Drive. J'ai joué au classique. Sonic, oh, je suis dans la grue. Dommage qu'on peut pas la contrôler, vous imaginez. Je dis ça, mais je connais déjà l'aspect que donc, voilà, on pourra la contrôler. Comment il nous a dit, on peut la piloter? Oui! En mode, Shadam, tu peux! Allez. La clé! Allez, sors! Sors, tu as la clé! Sors! Voilà. C'était une invitation. Et là. Tac, et par tatac. Tatac, c'était une belle émission. Vignette! Eh oui, on a notre dernière vignette, voilà. Vous voyez, les vignettes étaient quand même courtes. Je sais pas la durée d'épisode. J'ai pas regardé, mais bon, voilà. J'espère qu'il n'y a pas une corruption. Cette fois-ci, bon. Je sais pas pourquoi, quand mon ordi est à moitié chaud, qu'il est un petit peu utilisé. Bien joué, very good. Oh, on a tous les chiots vignettes, donc il nous reste plus que la sortie et tous les jeux. Donc voilà. Puis on fera ça là. Je sais pas pourquoi, quand mon ordi est un petit peu chaud, vous voyez, un petit peu en surchaud, je vais dire comme ça, non, légèrement chaud, comme ici, ça filme hyper bien, et quand il est froid et tout ça, ben il filme pas bien, peut-être parce qu'il chauffe, et là il chauffe plus, mais ben, il est déjà chaud, peut-être c'est pour ça, moi je sais pas, je fais des tours de lumière. Voilà, c'est comme ça qu'on monte, parce que la dernière fois, j'avais essayé pendant... J'avais essayé de le faire pendant presque 10 minutes. A essayé d'aller chercher dans le décompte 5 minutes. Ouais, plus ou moins. Et puis, ça n'avait pas marché, en gros, d'essayer d'aller sur le petit bord là et essayer d'avoir les apparats. Je peux vous dire, ça faisait pitié. Bon, ce type d'épisode va être on pilote une grue. Pilote une grue, vignette, et puis on pilote une grue 50% et on tue, et on retue, voilà, donc on va l'enregistrer sur ça, je laisse toujours une parce que genre au début par exemple sur, voilà que c'est la 2, j'enregistrais sur la même partie pendant Mario 64 et quand ça marchait pas, ben, je me retrouvais dans la même. Après les ananas, c'est pastèque, allez! Pastèque qui est un très bon fruit. Vous avez vu le plus bel chemin? Voilà,
Et là, on... Alors là, vous voyez déjà... Merde. Attendez, attendez. Voilà. En plus, elle déteste la pastèque. Ça, c'est bien. Merde, elle nous a trollé. Sa nouvelle robe est fichue. On fait un pré-shot. On fait un pré-shot. Merde. Elle s'en va tout de suite. On a débloqué le jeu de dames. Le petit salterie. Et oui, on va sauvegarder la partie. Et yes. On est au 100%. On l'a battu facilement. Voilà, c'était bien. Petit épisode, je sais pas la durée. Donc là, on voit déjà le... Venez voir. Donc voilà, maintenant on est plus à un truc à la campagne, on l'a vu de toute façon. Donc je vais appuyer directement sur pause et on retournera au menu. Ouh, on avait déjà vu. On voit un petit peu, mais bon voilà. Décor de la chaîne 2. J'espère que cette vidéo sera écoutée, j'espère vraiment. Voilà, maintenant on rentre dans un truc, voilà la campagne. Et en mini-jeu, on a le mini-golf. Où j'ai fait meilleur score, ok. Renifleur. Voilà, j'ai fait quelques petits mini-jeux. Et le jeu de dames, il nous manque la course sur glace, la danse à gogo. Mais j'aime pas trop ces deux-là. Je préfère perdre la vie et jeu de dames. On fera les mini-jeux dans les bonus, peut-être à la fin de l'espèce. Je sais jamais. Je sais pas. Mais sur ce, on a fait ça. Voilà, deux séries. Comme ça fait longtemps, on va regarder Fête Forêt, le métro. Ah oui, métro, ils auraient pu choisir, mais des rangers. Cruella, ah j'ai jamais vu Cruella, Big Ben, Piccadilly,
Magali va jouer et Van Jumpa fait la 4. Okay. Donc je vais vous dire à la prochaine. Ça m'a fait plaisir de tourner un épisode. Voilà. Je me rappelle un petit peu vaguement la campagne. Je me rappelle plus la fin parce que la basse-cour. Voilà, je me rappelle plus la basse-cour, plus la basse-cour que la campagne. Mais bon, voilà. Moi, je me rappelle quand même pas mal la basse-cour. Bah, sur ce, je vais vous dire à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Lâchez un like. Parce que je dis ça parce que bah, si je le dis pas, il n'y en aura personne qui devra lâcher. C'est mieux que le dire. Voilà. Et abonnez-vous si vous voulez suivre ce let's play. Et je vous promets que on va peut-être faire un monde avant la fin des vacances. Et peut-être le finir, je sais pas. Parce que j'ai très envie de faire un nouveau let's play. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.